Salut à tous et très heureux de vous retrouver dans cette partie. Dans cette partie, on s'était dit qu'on devait gérer la partie du personnel à notre disposition, donc en quelque sorte les mentors, et on voulait gérer le caractère responsif de cette partie. Si on redimensionne la taille de notre navigateur pour avoir un écran un peu petit, on va placer ça sur le côté. Lorsqu'on va commencer à redimensionner et qu'on va descendre, vous allez vous rendre compte que, comme on avait vu la dernière fois, les images du personnel à notre disposition se compresse. Et ce n'est pas ce qu'on veut faire, parce que si on revient regarder la même chose de ce côté, on va se rendre compte que les images s'adaptent parfaitement à la page et que lorsqu'on commence à redimensionner, les images s'adaptent également. Donc ici, nous sommes dans la gamme des petits écrans, on a une seule image qui s'affiche. Ici, quand nous sommes à la gamme des moyens écrans, on a deux images qui s'affichent et lorsqu'on atteint la gamme des grands écrans, ça repasse à quatre images à la suite. Et ici, par contre, là, nous sommes au niveau de la gamme des petits écrans. Vous pouvez observer, quand je redimensionne, il y a la dimension qui s'affiche juste ici en haut. On est autour de 600 pixels et vous voyez que les images sont compressées. On commence à grandir. On arrive au niveau de la gamme des 771 pixels qui est dans la gamme des moyens écrans. Et là, c'est toujours pareil. Ce n'est que lorsqu'on arrive dans la gamme des grands écrans que vous voyez que les éléments s'affichent convenablement. Donc, on va remédier à ce problème. On va tout de suite se rendre dans notre éditeur de texte et dans notre fichier mentos.css, on va commencer à gérer le CSS. On va dire que lorsque nous sommes dans les écrans de petite taille, on va les cibler en précisant un max 8 de $SM ou 10 small. Le 8, en réalité, soit de 90%. Et à ce 8, on va associer le flex qui va avec. Et ce flex sera 0, 0 et 90%. On va venir regarder le résultat qu'on obtient et on se rend compte que désormais ils sont les uns en dessous des autres. Le problème c'est que ici ils sont alignés à gauche tandis que ceux-ci sont totalement centrés. Pour remédier à ce problème, on revient dans notre fichier et on va donner une marge à gauche qui sera de auto et une marge à droite qui serait également auto. On regarde le résultat et désormais les objets décalés vers la droite, ils se sont centrés. Maintenant, si on commence à agrandir l'écran progressivement, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que les éléments se replacent de nouveau, quatre les uns à la suite des autres, et ils sont mal formatés. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On va inspecter l'un des éléments pour comprendre. On va inspecter l'une des mentor box. On se place sur la mentor box, et la mentor box, par défaut, a un code qui lui demande de prendre 25% de la largeur quand on est sur un écran normal. Sauf que quand on commence à redimensionner et qu'on atteint un écran de petite taille qui correspond généralement au max 8 qui est inférieur à 768, ça doit prendre 90%. Mais quand on redimensionne en grandissant, dès qu'on va dépasser le 768, parce qu'on a dit qu'il faudrait que la largeur maximale soit de 768, donc si on dépasse déjà les 768, ça ne va plus se comporter comme on a dit précédemment que ça devrait prendre une largeur de 90%. Pour ça, nous sommes dans un écran de taille moyenne. Et pour gérer les écrans de taille moyenne, on va venir ajouter une autre media query. Et cette media query, vous la connaissez déjà, c'est la media pour laquelle la max 8 est inférieure à $MD. Et pour ce cas, on va dire que la largeur sera simplement 50% et on va mettre le flex qui y est associé. Ce flex est 0, 0 et 50%. Dès cet instant, si on se regarde et qu'on vient actualiser, vous allez vous rendre compte que les éléments se placent comme ils devraient se placer. Deux les uns à la suite des autres et ensuite les deux prochains se placent en dessous. Une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous allez souvent écrire vos CSS, écrivez les media query de la valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. Donc ici, c'est pour les écrans en général. On va dire les écrans de grande taille. Ici, c'est pour les écrans de moyenne taille et ici, c'est pour les écrans de petite taille. En réalité, le CSS s'exécute du bas vers le haut. Donc, il va d'abord lire ce code et une fois qu'il finit de lire ce code, il va monter, lire celui-ci. Si on prend ce code et qu'on le met en dessous, il va commencer à lire ce code, il va mettre directement deux éléments les uns à la suite des autres. Si on met plutôt le code du $MD en dessous du code du $SM, quand il va prendre le code, comme il va commencer à le lire en dessous, on va le faire pour que vous voyez bien de quoi je parle. Si on prend ce code et qu'on le met ici en dessous, quand le navigateur va commencer à interpréter, il va d'abord commencer par celui-ci. Et il va dire, pour toute taille qui est inférieure à $medium,
Tout ce qui est inférieur à dollar médium englobe déjà tout ce qui est inférieur à dollar SM. Donc, ce qui est moyen englobe ce qui est petit. Ce qui fait qu'il ne va lire que ce code et il va négliger celui-ci. Résultat des courses, si on vient et qu'on redimensionne notre écran de petite taille, on aura ce résultat. Comme ceci, vous voyez que le code va continuer à se compresser simplement. Donc, faites bien attention à la précédence de votre code CSS. Le code s'exécute du bas vers le haut. On va revenir à ce qu'on avait précédemment. Et si je sauvegarde ça, quand on va venir actualiser ici, vous allez voir que les éléments se placent désormais les uns en dessous des autres. Cela étant dit, on va se concentrer sur la suite. Et la suite ici concerne principalement le titre. Quand on arrive ici et qu'on regarde le titre, vous voyez que le titre est formaté et que le texte est également bien formaté. Par contre, ici, si je commence à redimensionner jusqu'à cette taille, vous voyez que le titre, il n'est plus bien formaté. Et pour gérer ce titre, on va se rendre dans le fichier des titres qui était prédéfini. On va demander le title.css. À l'intérieur de ce title.css, on veut principalement gérer le main title. Mais également, on va devoir gérer le section header qu'on n'avait pas inclus ici dans le fichier des titles. Je crois que pour le coup, on va l'enlever ici du predefined simplement et on va le mettre juste ici à la fin du title. Et pour le coup, dans le section header, on aimerait simplement que lorsqu'on est dans notre média pour lequel la taille d'écran sera inférieure à $MD, qui est $medium, on aimerait que la largeur maximale, max width, soit 90%, qu'on ait un margin bottom à 2rem, qu'on ait un margin left à auto, un margin right à auto également. On regarde ce qu'on a ici et si on actualise, vous allez le remarquer, peut-être ça ne se voit pas assez, mais la section header s'est légèrement compressée et est passée à 90%. Une fois qu'on a fini avec cette section header, on va se concentrer sur le main title. Et au main title, on va également dire que lorsqu'on a une média pour laquelle la max width est inférieure à $MD, on veut que son font size soit de 2 em, que son line height soit de 1,2 et que son margin bottom soit de 1 rem. On va voir ce que ça nous donne ici comme résultat. On actualise. Il ne se passe rien, le compilateur n'a pas dû le compiler. Oui, le compilateur s'est arrêté au niveau du title.css. Donc, on va venir dans le predefined, on va ajouter un espace à la fin, on va sauvegarder pour voir si ça marche. Et là, ça nous a compilé le code directement. On revient donc voir ce que ça donne à ce niveau-ci. On actualise et vous vous rendez compte que le titre s'est placé comme il se doit. Le titre s'est redimensionné et il a pris la bonne taille. On vient de finir ainsi avec la responsabilité de cette section, la section du personnel à notre disposition. Mais avant de s'arrêter là et de passer à la partie suivante, je propose qu'on reparte dans notre fichier title.css et qu'on observe un certain nombre d'éléments. Notamment le main title qui a sa partie responsive et le bititle en dessous qui a exactement la même partie responsive que le main title. C'est un code dupliqué et on peut optimiser cela. Et si on regarde au niveau du main title, on va se rendre compte qu'il y a également certains éléments du bititle qui sont identiques. Donc, on va essayer d'optimiser ce code et ce qu'on va dire, c'est ceci. On va dire qu'on va prendre le main title et on va prendre le bititle également. Et tous les éléments qui sont en commun entre le main title et le bititle, on va les mettre ici. Donc, la première chose qu'on va prendre et qu'on va mettre là, c'est la responsivité. On va coller la responsivité comme ceci. On nettoie un peu le code et on peut venir au niveau du bititle, supprimer ce code, ça ne dérangera en rien du tout. Et on va regarder les deux autres codes pour comparer et voir s'il y a des éléments qu'on peut extraire. Dans le main title, on se rend compte qu'on a un font size de 3m, ce qui est identique au bititle. Même chose pour le font weight et le text align. Ensuite, il y a le margin bottom qui est identique. Donc, on va couper ces quatre éléments du bititle et on va dire que ces éléments sont identiques au bititle et au main title. On va revenir dans le main title et on va couper les éléments qu'on vient de mettre dans la partie supérieure. Du coup, on se retrouve avec un main title qui a ces trois lignes, un bititle qui a ces trois lignes et on a ce code qui est commun à tous les deux. Et pour ne pas perdre la logique, on va déplacer le code du L4 juste en dessous. De cette façon, on a le main title, le bititle, ensuite on a notre main title et on a notre bititle.
On vient de cette façon d'optimiser le code en limitant le nombre de lignes qu'on écrivait déjà. On va sauvegarder et normalement, rien ne devrait avoir changé. Si on actualise, tout est toujours identique parce qu'en fait, on n'a rien modifié, on a juste optimisé notre code. Donc, c'est ce que je voulais vous faire voir. On va désormais s'arrêter et dans la prochaine partie, on va venir gérer la responsabilité qui concerne la partie qu'on a appelée Articles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie et surtout n'oubliez pas, si ma formation vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, likez les vidéos et partagez le lien aussi à d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par cette formation. On se retrouve dans la prochaine partie.